Si ça. C'est pas la journée aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Plus mal. Ah, c'est le lac d'hôpital qui s'est arraché. Ouais. Ah bon, on peut avoir ça. Ouais, mais moi l'atterrissage, il sera bon. Il y a un début à tout, Jonathan. Hein. Bon, bah, la mécanique. Celui-là, il crache. Voilà, bon, bah, celui-là. Celui-là, il n'y a pas de chance. Et Cédric va pas venir aujourd'hui? Si, si, normalement il doit venir. Le problème, c'est qu'il y a un problème de camion, il vient. Mais non, il va faire des petits délais aujourd'hui, c'est pas des grosses. Je sais pas, les Voilà. Mais moi, ça, j'y arriverai jamais. Allô? Alain, il a des années d'expérience en avion. Oui, il a des lanceurs. Mais c'est le deuxième crash, mais là il est fatal là, celui-là. Donc t'as vu quoi sur le 600 qui... Il faut tant pour Lionel. Mon ami s'est débarré, il y a ce coup. J'ai perdu l'antigoup. Ah oui? Tu les as pas freinés? Ouais, normalement j'aurais dû freiner, mais là il était pas freiné. Ça fait partie des choses. Bah voilà. Tu te donnes des sous? 200 euros? Non, même pas. Ouais, c'est pas la première fois qu'ils ont bouffé. Vu que ça tourne très vite, oui. En tant qu'Alain. Et la batterie, il faut quelqu'un avec moi. Et la batterie, allume la radio. Allume la batterie. Allume la radio d'ailleurs, c'est allume la radio et mets la batterie ensuite. T'as mis la radio d'abord? Non. T'as mis la radio en premier et la batterie ensuite. C'est du 2-4. On éteint toujours la radio. En 2-4, c'est un peu vrai parce que tu peux permettre des écarts. Mais dans le fond, il vaut mieux faire le réserve.